d'État de 1987 était d'avoir un coup d'État ou un piège par l'administration, les officiers ou sous-officiers soldats qui étaient si nombreux dans l'armée, même s'il y a eu officiellement 500 bateaux qui ont été tués, il a resté au moins 3000 à 4000, pourquoi ces gens n'ont pas pu s'organiser? Ils ont été formés dans les plus grandes écoles, les officiers ont été à Coquidan, au Maroc, à West Point. Comment se fait-il que ces gens n'ont pas pu organiser tous ces gens qui ont été libérés de l'armée, qui étaient dans la ville, pourquoi on n'a pas pu les organiser et en faire une véritable force de lutte, comme il y en a partout, dans les régions qui veulent l'indépendance ou qui veulent leur libération. Mais vous me dites, pourquoi les Noirs, il y a eu beaucoup d'officiers qui ont été formés, pourquoi ils n'ont pas réagi? En 81, c'est les Noirs qui ont sauvé le régime de Wul Haïdala. Ils auraient pu. Haïdala était absent. Ils ont sauvé le pouvoir. Ils auraient pu eux-mêmes prendre le pouvoir. Ils ne l'ont pas fait. Par fidélité, parce que les Noirs ont une notion d'État. Et ça, je le dis, sans les Noirs, la Mauritanie n'aurait pas existé. Parce que le monde, c'est d'abord sa famille, sa tribu, sa race, et l'État mauritanien vient après en quatrième position. Mais les Noirs ont toujours eu une notion d'État. Ils ont dit non, il y a un président, nous avons déjoué, nous avons empêché le coup de réussir, mais nous n'allons pas profiter pour nous emparer du coup. Quand Bousseff est mort dans un accident d'avion à Dakar, au large de Dakar, il fallait nommer un nouveau responsable. Les Noirs étaient 8 sur les 24 qui allait désigner le nouveau chef d'État. Ils ne se sont pas concertés. Ils ne se sont pas concertés du tout. À l'entrée, le plus vieux s'est retourné vers le plus jeune. Il dit, mais alors on va choisir qui? Le plus jeune a dit, il est de chez toi. Il est de Mbaye, colonel Diop Ablaye. Il a dit, mais écoutez, moi je pensais que je suis le plus jeune. Vous alliez dire, tel est candidat, nous allons voter pour lui. Il y a un noir mort, que ce qu'on a Haratin, un ancien esclave, qui dit qu'on aurait pu récupérer. Ça allait faire 9 voix, ils allaient désigner parmi eux le responsable mauritanien. Ils ne l'ont pas fait. Haïdala a été désigné avec 9 voix, dont 2 voix noires. Donc si les 8 avaient décidé de désigner quelqu'un, il aurait pu passer. Quand Wultaya est arrivé au pouvoir, ça c'est le 12-12-84. C'est un noir qui a assuré l'intérim. Moi, quand on me confie l'intérim, si je décide de trahir celui qui m'a confié l'intérim, c'est moi qui prends. Je ne vais pas laisser quelqu'un d'autre. Et 2 jours avant le coup, je les ai surpris en train de faire du sport. C'était parce que ça faisait 4 ans que j'étais directeur du port. Tous les matins, je passais par le même chemin. Les 2 derniers jours, je les vois en train de faire le sport. Ça, c'est surprenant. Ça fait 4 ans que je fais le même chemin. Je n'ai jamais vu faire le sport. Je les vois faire le sport, il y a quelque chose qui se passe. Le premier jour, j'ai salué, j'ai continué. Le deuxième jour, je les ai vus, je me suis arrêté. J'ai dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. L'un d'entre eux m'a dit, tu es impoli. Nous sommes plus âgés que toi, tu continues ton chemin. Quand le coup d'état a eu lieu, j'ai dit, j'ai compris. Je suis allé voir l'un d'entre eux, j'ai dit, mais pourquoi vous m'avez dit le jour que j'étais impoli? C'est vous qui avez fait le coup. Et pourquoi vous faites le coup, vous laissez le pouvoir à quelqu'un, le plus raciste de la Mauritanie, vous lui confiez le pouvoir? Il m'a dit, tu es impoli, c'est pas toi qui vas nous dire ce qu'on va faire. Mais la réalité, nous avons tous payé. Moi, j'étais en prison, lui aussi a été en prison, par le même celui qui l'avait placé au pouvoir. Donc, il faudrait que nous comprenions, que nous disions dans nos têtes que la Mauritanie appartient à tout le monde, que nous, chacun d'entre nous peut arriver au pouvoir s'il a les moyens d'y arriver. J'espère que ça va être par voie démocratique. Mais tant que nous dirons que le pays est pour eux, cela se passera comme ça s'est passé. On a
wonno en badi welsinare mawde ne ganda en giiti hande koyde men tan ko hala mon kedim ene wade mon ko jangu ngimbi tangal ene wade mon wiibe hadi murtani wondi murtani e ko tagi murtani woni murtani hande Allah ne la kaadruuji balede jibinaade Senegal jibinaade Mali mahro jibinaade gure godde ben joodno adan ko ben jogino gouvernement Mauritanie on yama safal wiire ban ko samal be hay goto mon waawi bi indu mu saka français saka ardo hun on yama gele militaire hay standard mourien hay police hay cadre hay docteur foko ale be gonno min heli carton ko kadi koy frontière kon ko bale be gonno en wari hen jaab hay tigge sabu mi landi mamadou yene landi mo très bien koy cadre mawdi ko jaay murtani en wadi non ko musi ko on jogi mo welsindar en ganda on gi on andu be murtani on jogi andu be tegi on gi o do muuma ummi do les en yidi ubude ko jaatum ko en formé en der balli di han ara lom to kaara balede holle ne formé ter en lebbi di ma la hirana wotere ara fona kaadar jangudo ko wona 30 ans on dit on dit on a les on a fourni les et on monte la question c'est de savoir comment se fait-il que les noirs qui à un certain moment contrôlaient toute l'administration se sont laissés tomber dans le piège jusqu'à laisser les morts les arabes contrôler petit à petit le pouvoir jusqu'à dominer aujourd'hui le pays. Voilà en résumé. Bon, maintenant, ensuite, il y a eu un discours de moralisation. Moi, je répondrai à ceci. Bon, j'en ai parlé tout de suite. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas eu de volonté de combat. J'ai dit qu'en 1946, il y a eu un mouvement qui a été créé qui s'appelait Union Générale des Originaires de la Vallée du Sénégal, qui combattait systématiquement, mais dans le principe des partis politiques. Bon, maintenant, comme je vous l'ai dit, l'administration coloniale mauritanienne avait dit qu'il n'est pas question que la Mauritanie soit dirigée par un noir. Et elle a combattu systématiquement. Je prendrai un exemple. En 1960, le premier chef d'état-major, le plus gradé de l'armée qui allait être la nouvelle armée mauritanienne, c'était un noir. Le commandant Diallo. Mais on a dit qu'il n'est pas question qu'un chef d'état-major soit noir. Et on a pris 3 enseignants, on les a amis ici en France pour les former. En attendant, c'est un capitaine de l'armée française qui est venu diriger l'armée mauritanienne. J'ai rencontré personnellement ce capitaine. Il est venu même me rendre visite à la maison. Bon, il adhérait après à Amnesty International. Bon, pour lui, il était un militaire, il respectait les ordres et tout, mais ça lui faisait un problème moral d'avoir cautionné tout ça. C'est pas seulement ça. Mais les gens ont systématiquement combattu. Ensuite, il y a eu les événements de 1966. Parce qu'au départ, en 1962, ce qu'on demandait, c'est la création d'un État fédéral. Mais ça n'a pas marché. Et en 1966, il y a eu des conflits raciaux avec beaucoup de morts. Mais c'est le combat que nous continuons maintenant. Le problème, c'est que les Noirs ne sont pas soutenus. Ils ne sont pas soutenus au Sénégal. Le Sénégal ne les a jamais soutenus. Le Mali ne les a jamais soutenus. Ce qui fait que les Noirs sont seuls. Et paradoxalement, c'est avec les événements de 1989, lorsqu'il y a eu la diaspora en Europe et aux États-Unis, que cette diaspora commence vraiment à s'organiser et à avoir un impact sur le combat qu'on mène à ce moment. Mais on n'a jamais réellement espéré être soutenu par le Sénégal ou le Mali, contrairement aux Arabes qui sont soutenus par le Maroc, par l'Algérie, par la Syrie, par l'Irak, par la Libye, etc. Donc ça, c'est... J'avais oublié de parler aussi de la composante haratine.
cette composante haratine, ce sont des descendants d'esclaves. Parce que si on divise la population, d'une part, il y a la grosse communauté des Noirs qu'on appelle les Wolofs, les Alpularens, les Fulbes, d'une part, et d'autre part, il y a les Arabo-Berbères. Chez ces Arabo-Berbères, il y a ce qu'on appelle les Bidans, ce sont les Blancs, et les Haratis, esclaves, parce que la pratique de l'esclave existe jusqu'à présent. Vous voyez jusqu'à présent des enfants qu'on vend. Et cette communauté-là, dans la communauté arabo-berbère, est la plus importante. Et ce sont eux qu'on utilise le plus souvent, d'ailleurs, dans les conflits raciaux, les massacres et autres. Ce qui fait que les Wolofs, les Alpla, les Soninké, dans l'armée, sont majoritairement remplacés dans l'armée par ces haratines. Bon, maintenant, ces haratines, certains commencent à s'organiser, à lutter systématiquement contre la pratique de l'esclavage et en relation avec des mouvements internationaux des droits de l'homme. Il y a une organisation qui a été créée qui s'appelle Ne touche pas à ma nationalité, qui fait du très bon travail. Tout dernièrement, et c'est récent, c'est qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les Maures parlent le dialecte. Ils demandent aux Noirs de parler en français ou en arabe. Mais il y a un député à Peul qui s'est prononcé en Peul et qui a dit que tant que les autres parleront le dialecte, lui parlera aussi. Socialiste. Sa langue. Et il y a un Soninké qui a aussi pris la parole. Donc il y a un esprit de révolte qui est en train de se passer. Je pense que si les Maures sont intelligents, ils vont se dire il est temps qu'on se retrouve autour d'une table pour régler le problème. Sinon, je pense que la révolte a commencé et ça ira très sans doute. Jamais une seule fois, un membre des Flammes n'est venu nous rencontrer. De quoi on peut me dire pourquoi vous n'avez pas fait les démarches pour aller les rencontrer? Mais dans la logique, c'est que c'est la grande structure qui est déjà structurée qui devait venir rencontrer ces petites structures pour essayer d'harmoniser la lutte, pour essayer de faire retrouver les gens. Parce qu'en fait, il faut aussi que tout soit représenté du plus bas au plus haut. J'ai fait cette université-là, je suis venu en France, malgré tout. Je savais qu'il y a les Flammes ici, en France. Et aussi dans les sites réfugiés, c'est lorsque en 2008 le rapatriement a commencé, c'est en ce moment-là que j'ai commencé à rencontrer pour la première fois. Et pourtant, pendant les 18 ans de déportation, j'ai vécu au Sénégal, j'ai vécu dans cette situation-là. Dans les premières années, je ne pouvais rien me prononcer parce que je suis né au Sénégal, je suis né après la déportation, je ne pourrais pas peut-être me prononcer dans la 18. Mais du moment où j'ai commencé à réfléchir, lorsque j'étais au collège déjà, parce que quand on vit dans ces conditions-là, quand on connaît la situation d'enfants réfugiés, on grandit, on est obligé de poser des questions. Donc lorsque je me suis commencé à me poser ces questions-là, jamais une seule fois, j'ai jamais vu une seule fois les Flammes. C'est en 2008, lorsque le rapatriement a commencé, moi je faisais cette année le bac, qu'on a commencé à voir, je ne sais pas si vous connaissez Abou Samba Diaye et Amosambik et les autres, sont commencé à faire le parcours dans la vallée pour rencontrer les réfugiés. Et me dire, venez retourner en Mauritanie. Comment se fait-il que des gens qui ont été déportés pendant 18 ans, arrachés tous leurs biens, et en même temps, les mêmes personnes qui nous avaient déportés nous demandent de venir rentrer chez nous et faire la justice. Comment se fait-il qu'on se bat, tu me taquines, tu me frappes, et tu me dis, viens, je vais faire la justice. Et pourtant, ça, ce sont nos compatriotes, les gens de notre communauté, qui sont venus vouloir mettre ça dans la tête. Et voilà, la preuve, elle est là aujourd'hui. La partie des gens qui sont retournés aujourd'hui en Mauritanie, vous avez vu la situation qu'ils vivent. Ils vivent la situation qu'ils avaient vécue lorsqu'ils ont été déportés de la Mauritanie vers le Sénégal. Ils revivent pire encore, ils revivent la situation. Et ce qui est pire encore, ils vivent cette situation dans leur propre pays. Ça fait mal. Ma question est la suivante. Pourquoi? Bon, j'ai tendance à dans la logique de mes propos, j'ai tendance à croire que les Flammes, elles ne sont pas sur le terrain. Aujourd'hui, le mouvement Touche pas à ma nationalité, si on prend son exemple, il est né il y a à peine 5 mois ou 6 mois. Mais personnellement, je ne suis pas trop imprégné de la situation, je ne connais pas qu'est-ce que les Flammes ont accompli. Mais le mouvement qui est sur place, qui manifeste, qui inallégable avec les mouvements, moi j'estime qu'ils font mieux. Parce que la lutte, c'est sur le terrain. Certes, il faut aller à l'international, il faut parler, il faut faire le débat. Mais aussi, c'est sur le terrain. La Mauritanie, c'est nous appartient, nous tous, donc la lutte, c'est sur le terrain.
sur le terrain, de part et d'autre du fleuve, parce qu'il y a aussi des Mauritaniens, toujours qui sont des Mauritaniens dans la vallée du Sénégal. Donc la question, c'est pourquoi le flamme ne descend pas sur le terrain pour faire le... La deuxième question, qu'est-ce qui empêche aux flammes d'essayer de faire des jonctions avec les différentes communautés de réfugiés, par exemple des étudiants qui sont à l'université de Dakar? Ils sont une trentaine, c'est pas négligeable. Il y a des étudiants réfugiés à l'université de Nantes, il y a des étudiants réfugiés à l'université de Bordeaux. Pourquoi il n'y a pas de coordination qui existe entre toutes ces petites communautés-là pour essayer de joindre tout pour que ça soit rébarbatique? Mais il faut le faire. Et ça, c'est pas une personne lambda, moi, individuellement, qui va faire les démarches, ça va être compliqué. C'est la structure qui est déjà constituée, qui va partir dans les lieux pour puiser effectivement les personnes qui sont concernées, parce qu'on lutte pour la même cause. Heureusement qu'il y a des films et des photos et des témoignages enregistrés. Hein? Depuis 10 ans, et j'ai des amies françaises qu'on a missionnées dans les années 90, il y a des photos, des expositions sur tout ça. Donc dire que nous sommes absents, non. Les flammes ne sont pas visibles, mais en dessous, on fait un travail. Oui, certainement, vous avez eu à bénéficier des soutiens financiers par la scolarisation. Attendez, on a créé ce qu'on appelle le tuteur. Chaque mois, on envoie 10 dollars, 20 dollars. On regroupe, on donne au camp. On ne vous donne pas l'argent, mais on achète des fournitures scolaires. On achète des habits ou bien autre chose pour les enfants, parce qu'on tient absolument à ce que ces enfants soient scolarisés. Beaucoup d'entre eux maintenant sont aujourd'hui diplômés. Certains sont au Sénégal, d'autres sont aux États-Unis, certains sont retournés en Mauritanie et qui travaillent. Autre chose aussi, terminé, c'est que il y a, aller dans certains camps, que ce soit à Ndioum, que ce soit à Djolé, que ce soit à El Malou, vous trouverez là-bas des puits, vous trouverez là-bas des centres de santé. Qu'est-ce qui a fait ça? Ce sont les flammes. C'est l'association des femmes mauritaniennes du fleuve Sénégal. C'est l'avant. Mais parce que vous n'en entendez pas parler. Allez dans les camps du côté mauritanien. J'ai filmé les scènes avec les enfants. Non, on peut vous produire ces films. Hein. Et si vous pensez que je ne suis pas neutre, on peut mobiliser des femmes françaises qui se sont beaucoup mobilisées depuis les années 90 sur ces problèmes-là et qui vous donneront tous les documents. Parce que ces femmes françaises organisent souvent des expositions en intervenant dans des conférences ici en France. Mais moi, personnellement, j'ai eu à rencontrer des étudiants mauritaniens réfugiés à Dakar en 2009. On a les films, on a les témoignages qui nous ont envoyé même des lettres, des mails pour nous remercier du geste qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'on mobilise des fonds, ce qu'on appelle le Mouda, et on envoie ça aux associations pour financer la scolarisation des enfants, parce qu'on a dit qu'il n'est pas question. Et certaines, en tout cas, ont tiré la conclusion, d'ailleurs, paradoxalement, beaucoup de familles font quitter leurs enfants du côté mauritanien pour les installer du côté sénégalais, parce qu'on a vu que dans ces camps, il y a une forte scolarisation des enfants, par rapport, en tout cas, au camp de Mauritanie. Donc, ceci, s'il vous plaît, essayez de vous imprégner réellement. Peut-être même que vous avez en bénéficié, mais vous ne connaissez pas parce qu'on ne l'affiche pas. Mais vous avez certainement bénéficié de la scolarisation lorsque vous étiez tout petit. Hein? Lorsque vous étiez tout petit, parce qu'il y a des gens qui sont maintenant grands, qui travaillent aux États-Unis partout, qui ont bénéficié de cette scolarisation. Je vais très court. C'est juste pour rebondir par rapport à la question de M. Diallo, ouais, qui a dit que le combat devait se faire à l'intérieur. Je voudrais tout simplement rappeler que les flammes qui ont été créées le 13 mars ont été créées en Mauritanie et que les flammes ont été contraintes à l'exil. Donc nous sommes conscients que le combat doit se faire à l'intérieur. C'est d'ailleurs pour cela que lors de notre dernier congrès, nous avons, dans nos résolutions, dit que les flammes vont rentrer en Mauritanie. Nous allons rentrer parce que nous sommes conscients que le combat se passe en Mauritanie. Mais les flammes ne vont pas rentrer n'importe comment. Il faut bien réunir de certaines conditions matérielles et financières pour aller rentrer en Mauritanie. Nous avons eu un exemple. Nous avons des gens qui ont fait la scission, qui sont rentrés en Mauritanie, qui se sont fait phagocyter aujourd'hui par le parti de la mouvance présidentielle. Nous ne voulons pas que ça nous arrive, nous, les flammes. Donc nous allons rentrer en Mauritanie. Nous sommes conscients que nous allons rentrer en Mauritanie.
Dites-vous bien que nous ne sommes pas à l'étranger parce que nous voulons être à l'étranger. Nous sommes à l'étranger parce que nous avons été contraints de venir à l'étranger. Mais nous rentrons et vous verrez que les flammes vont rentrer en Mauritanie parce que nous savons que le combat se passe à l'intérieur. Ok, merci. J'ai écouté quand même avec beaucoup d'attention l'intervention. On peut dire quand même qu'il est jeune par rapport effectivement à l'expérience qui est la vôtre. C'est même un autre dialogue, c'est ça. Moi, je pense que c'est important de tenir compte aussi de ce qu'il dit. Par rapport à ce qui est fait, effectivement, par notre organisation, si vous dites que c'est des choses qui ne sont pas exposées au grand public, lui, il ne peut pas le savoir. En même temps, ce qu'il a dit, c'est peut-être quel est l'impact. Est-ce qu'il ne faut pas donner un impact encore plus fort à votre mouvement et trouver une coordination, comme il a dit, entre différents mouvements, pour donner vraiment une impulsion beaucoup plus grande donc à ce qui se fait déjà, ce qui se fait actuellement, pour sans doute améliorer la situation. Donc déjà, il parle quand même du retour de certains Mauritaniens, donc du Sénégal, au pays à partir de 2008, et qui vivent une situation beaucoup plus terrible que ce qu'ils vivaient au Sénégal. Moi, je pense que c'est quand même une problématique qui est vraiment très importante, qui dépasse le cadre du travail sans doute formidable que vous faites déjà depuis un moment, mais il faut aller sans doute encore au-delà pour sans doute médiatiser, aller beaucoup plus loin, poser le problème, parce que sincèrement, je dois dire que j'étais touché par son témoignage. Je pense que c'est sans doute complémentaire et vous pouvez trouver un lien d'entente entre les anciens expérimentés et des jeunes comme ça qui vivent, qui ont vécu des choses. Là, il parlait avec cette fille. Moi, je l'ai senti comme ça.